tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, quelle que soit la situation, il va te soutenir, il va te fortifier. Lui, je dirais, il est plus intéressé par notre destinée que nous-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, si ta destinée est accomplie, tu es une solution de Dieu. Et Dieu te voit comme une solution, une de ses solutions. Et il ne veut pas que tu sois en retard. Donc, on doit regarder si nous sommes à... par le pasteur Freeman Compaoré. Et donc, nous vous disons merci pour votre présence. Donc, l'équipe est composée du pasteur Sanno et Isaïe. Et le pasteur Sawadogo Théodore. Et la sœur Madame Sawadogo Aïssatou. Voilà, que Dieu vous bénisse. Et vous tous qui êtes là pour la première fois, nous vous disons simplement merci pour votre présence et que le Seigneur vous bénisse pendant ce culte dominical. Et nous sommes à la fin du mois. Et comme papa nous l'a dit la dernière fois, après l'ensemble des enseignements que nous avons reçus, sur la guerre des pensées, la direction divine, le combat spirituel victorieux. Donc, pour ceux qui se rappellent, à la fin du message, vers la fin du message, papa nous disait, prenez tout ça et regardez où est-ce que vous êtes. Où vous vous trouvez par rapport à la vision de Dieu pour votre vie. Je crois que certains se rappellent de ça. Et donc, au moment où nous allons clôturer tous ces thèmes richement traités, c'est comme une auto-évaluation que Dieu nous donne de faire. Et qu'on puisse rentrer en nous dans la mesure où les enseignements de ces derniers temps nous ont montré une étroite relation entre nos pensées et notre destinée. Et surtout que la vie du patriarche Abraham nous a largement enseigné et que nous avons pu voir à quel point Dieu peut donner une vision à un homme, mais à quel point aussi les pensées peuvent interférer et les pensées, quand elles ne sont pas bien maîtrisées, peuvent nous retarder sur le chemin de notre destinée. Et je n'ai pas besoin de dire à nous tous ici, parce que nous avons tous suivi ces riches enseignements, que quand nous ne pensons pas bien, nous ne parlons pas bien, nous n'agissons pas bien, et les choses importantes de notre vie peuvent prendre des coups. Et surtout que nous pouvons être retardés par rapport à des choses importantes que Dieu nous demande de faire. Si dans le Proverbe 23:7, il est dit, nous sommes
tel l'état de nos pensées, nous devons voir où est-ce que nous en sommes avec nos pensées. Et je crois que les différents enseignements nous ont permis de savoir que quand nous sommes sur des pensées dominantes, positives, cela nous permet d'avancer. Et les pensées dominantes négatives vont créer même le déluge dans notre vie. Mais au moment où nous nous engageons à regarder à notre vie, parce que Dieu a une vision pour chacun d'entre nous, il y a un but attaché à ta vie sur cette terre. Si l'homme a l'intelligence d'attribuer un but à une invention, par exemple, nous savons que le micro est fait pour amplifier notre voix, je dirais à plus forte raison Dieu qui s'est assis dans le conseil de sa volonté et qui t'a créé. Il y a un but pour ta vie. Et s'il y a un but pour ta vie, alors que tu es en train d'avancer et le Seigneur a pris le temps de te parler, de t'enseigner et de t'avertir par rapport aux pensées, j'ai envie de te demander où est-ce que tu en es. Est-ce que au moment où nous clôturons tous ces mois d'enseignement, tu peux dire sans risque de te tromper que toi tu as fait un pas de plus et même que tu es sorti de certaines situations qui ne te faisaient pas du tout du bien? L'enseignement est fait pour nous avertir. L'enseignement est fait pour nous repositionner. L'enseignement est fait pour nous donner d'aller à une autre dimension de notre vie. Et c'est pourquoi il est important que nous puissions voir si nos pensées ne sont pas positives. Et dans cette auto-évaluation, au moment où nous regardons de près à notre vie, nous devons chercher à corriger certains aspects de notre vie. Et c'est pourquoi je dis aujourd'hui, le titre de cette exhortation, c'est conquérir nos pensées pour accomplir notre destinée. Et je vais prendre le cas de deux femmes. Et je crois que c'est des cas pratiques, les cas de Rahab et de Ruth. Parce qu'au moment où nous sommes en train de nous examiner, et je m'associe à plusieurs d'entre nous pour faire cet exercice, et je me mets à la place de certains ou certains d'entre nous pour nous poser de bonnes questions par rapport à certaines situations de notre vie. Donc, est-ce que les situations qui m'entourent, les situations auxquelles je fais face, les épreuves dans lesquelles je me trouve, les défis que je cherche à résoudre, et là même où je suis aujourd'hui, est-ce que tout cela ne constitue pas des impasses pour ma vie? Parce que certains vont dire, quand on parle de but pour notre vie, quand on parle de vision pour notre vie, parce que ce mot vision semble assez grand, assez lourd pour certains. Alors que nous sommes tous des porteurs de vision de Dieu. Dieu a quelque chose à faire avec notre vie. Il nous a pas créé pour juste et nous jeter et ne pas savoir qu'est-ce qu'il doit faire avec notre vie. Et c'est pourquoi, en regardant à ta vie aujourd'hui, il y a des difficultés, il y a des défis. Et tu es peut-être dans la détresse. Et au moment où on parle de vision, de but pour ta vie, tu peux même être amené à te dire que, mais est-ce que ça, c'est pas pour une certaine catégorie d'enfants de Dieu? Autrement, est-ce que toi, certains vont dire, moi là,
est-ce que tout ce qu'on dit là, ça me concerne? Parce qu'il y a la réalisation de ce glorieux projet de Dieu pour ta vie qui est la vision, le but de Dieu pour ta vie, qui doit absolument se réaliser. Qu'importe tes origines, qu'importe ton passé, qu'importe les défis auxquels tu fais face, il y a quelque chose enfoui en toi mais qui doit sortir. Et c'est pourquoi, en regardant un peu à la vie de ces deux femmes, on peut se dire, si pour Abraham, Dieu lui a parlé clairement, Dieu lui a dit dans Genèse 12, il lui a donné des instructions précises. Il lui a dit de quitter son pays, sa patrie, la maison de son père. Et il dit pour aller dans un pays qu'il va lui montrer. Et donc, au verset 2, il va dire, je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Mais c'est vrai que Abraham peut rencontrer des situations sur son chemin. Mais voici une sorte d'encre. Une encre. Il va s'accrocher à cette parole. Parce que le grand Dieu, Jéhovah, qui a parlé et qui l'a fait sortir avec son père Térak de Ur en Chaldée, et qui les ont amenés, il a montré une direction même à Térak. Il dit, vous irez à Canaan. Térak aussi avait reçu une parole. Mais lui, il est arrivé à Charan. D'abord, Térak veut dire retard. Et ce nom va se peindre sur sa vie. Il arrive à Charan et il s'établit à Charan. Il y a une sorte de petit confort qu'il a. Il y a des petits produits qu'il a. Des petits fruits par rapport à sa vie. Mais il se plaint à ça. Alors qu'il y a une grande parole qui lui a été donnée. Et il sait qu'il n'est pas n'importe qui. Mais il, dans Genèse 11, verset 31, il est dit que Térak qui a pris son fils et Lot, fils d'Aram, il a pris Abraham et tout ce qu'on a cité, ils disent qu'ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller à Canaan. Mais ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Au verset 32, la parole de Dieu nous dit, les jours de Térak furent de 205 ans. Donc il a vécu à Charan. Il n'a plus regardé à ce que Dieu avait dit. Il s'est trouvé dans une barque, que je dirais une sorte de sécurité, une sorte de confort, alors qu'il devait continuer sa marche. Et c'est là qu'il va mourir. Et la question nous a été posée, est-ce que plusieurs d'entre nous, nous ne sommes pas à Charan? Est-ce que dans ton cheminement, tu n'es pas arrivé à un moment, à un niveau où tu crois que tu te plais dans ce confort, cette sécurité? Tu es dans une sorte de barque et tu crois que tout va bien et tu peux te limiter à ça. Alors que Dieu a quelque chose de plus grand pour toi. Quel est ton charan? Est-ce que c'est cette sécurité financière où tu crois que tout va bien? Tu es peut-être dans ta destinée naturelle. Tu n'as même pas encore abordé ta destinée spirituelle et tu te plais à cela. Le poste dans lequel tu es, tu trouves que c'est assez. Tu as une petite renommée. Et il y a quelque chose que tu fais pour ceux qui sont autour de toi.
et tu arrives à soutenir ta famille. Et tu te dis, mais c'est bon. Même si je n'avance pas, et surtout que je ne sais pas ce qui est devant, c'est très bon. Dieu te dit, tu es à Charan. Et tu dois savoir que le Dieu t'attend, ton le même Dieu qui t'a parlé, il t'a donné peut-être une vision plus grande. Il attend que tu sortes de ton Charan. Et tu dois sortir au nom de Jésus. J'ai dit, tu dois sortir au nom de Jésus. Et alors que nous parlons de Charan, j'ai envie de dire à quelqu'un que maintenant que tu sais ce que c'est que Charan, si tu ne veux pas bouger de Charan, l'Esprit de Dieu va te bousculer pour que tu sortes et ça sera pour ton bien au nom de Jésus. Il va te bousculer. Il va t'amener à sortir. Et souvent, il va même te donner des petits coups, des petits temps de déception, des choses qu'on va t'arracher à Charan pour t'obliger à bouger. Parce que Charan t'a assez vu. Charan même veut que tu bouges. Et tu vas bouger au nom de Jésus. Est-ce que c'est cette petite entreprise ou encore c'est ce petit poste-là que tu as alors que Dieu te voit comme un chef d'entreprise et tu, de là où tu seras, tu vas bénir peut-être le corps de Christ. C'est Charan. Et il faut que tu oses faire un pas de plus pour sortir de Charan. Est-ce qu'à Charan, il y a certaines difficultés, peut-être des questions de maladie, des questions, des problèmes de famille, et qui te bloquent, et qui font que tu n'arrives pas à avoir le courage de faire un pas de plus. Et là aussi, le Seigneur te dit ce matin, tu dois quitter Charan. Tu dois regarder à ta vie. Tu dois regarder à ce qu'il a pour toi. Parce que ta bénédiction va bénir, va être pour plus. Pensons à ce que papa nous a dit par rapport à la vision. Nous devons affecter cette terre. Les quatre points cardinaux. Et nous aurons nos marques au ciel. C'est quand tu vas oser dépasser Charan. Accepter faire face à certains défis. Alors que Dieu est avec toi. S'il te permet de quitter, il va être avec toi. Il dit qu'il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, quelle que soit la situation, il va te soutenir, il va te fortifier. Lui, je dirais, il est plus intéressé par notre destinée que nous-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, si ta destinée est accomplie, tu es une solution de Dieu. Et Dieu te voit comme une solution, une de ses solutions. Et il ne veut pas que tu sois en retard. Donc on doit regarder si nous sommes à Charan. Nous devons quitter Charan et avancer. Abraham, lui, il a reçu une parole. Et il savait qu'il devait naviguer en regardant, en sachant que cette parole doit s'accomplir. Si nous prenons le cas de Joseph, lui aussi, il a été prévenu d'une manière ou d'une autre, par des songes, par des rêves. Il a reçu de la parole. Il a reçu des directives. Et Dieu lui a montré qu'il a une grande destinée. Donc, malgré les difficultés qu'il avait en chemin, malgré toutes les souffrances, il savait que ce Dieu-là ne peut pas mentir. Et s'il ne peut pas mentir, il va l'amener là où il doit être. Tu peux passer par des difficultés, mais ton Dieu sait à quel moment il te fait sortir. Les difficultés nous donnent l'expérience de la vie spirituelle. Les difficultés nous permettent d'avancer tout en sachant que nous pouvons compter sur la fidélité de Dieu. Si tu passes par des difficultés, mon frère, ma soeur, sache que Dieu te fera sortir. Et là, tu vas t'arrêter et tu vas dire, mon Dieu est fidèle. Et tu vas comptabiliser ces temps de fidélité. Et là, là où tu avances là, peut-être tu auras des difficultés un peu plus grandes. Mais tu pourras t'asseoir et dire, le même Dieu qui m'a fait sortir de certaines des difficultés, il n'a pas changé. Il est avec moi. Et s'il est avec moi, je ne vais pas périr. S'il est avec moi, il va me sauver. Il va me sortir encore
sors de cette difficulté et tu as des motifs de témoignage. C'est pourquoi quand Jésus a dit à Pierre dans Luc 22:31, il dit Pierre, il a dit Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du fromage. Il dit pour toi, la foi Pierre, j'ai prié pour toi. Afin que quand tu sortiras de tout ça, ah oui, tu sortiras, tu seras alors qualifié pour venir exhorter d'autres frères. Et en ce moment, tu n'as pas d'autre choix que de sortir. Je dis à quelqu'un ce matin, tu n'as pas d'autre choix. Si Jésus a dit ça de Simon, il dit Simon, c'est vrai que Satan vous a réclamé pour vous cribler. Mais toi, j'ai prié pour toi. Et dans cette version que j'aime beaucoup, une autre version qui dit, tu vas forcément sortir de ces difficultés et tu n'as pas d'autre choix que de sortir. Puisque je suis là, je suis avec toi, je te fortifie et tu sors de ces difficultés. Et quand tu sortiras, alors tu seras qualifié pour exhorter d'autres frères qui passeront par les mêmes difficultés. Donc, les difficultés sont là pour nous témoigner de la fidélité de Dieu, pour nous témoigner que notre Dieu est vivant, il est fidèle, il ne nous abandonne pas, il ne nous fait pas défaut. Si Joseph a pu passer toutes ces difficultés et de façon sereine, il avait une parole. Il pouvait s'appuyer sur cette parole. Il pouvait dire, mon Dieu m'a dit, il m'a montré. Et je crois tellement que ça ne peut que se passer ainsi. Je suis en train de dire à quelqu'un ce que Dieu t'a dit. Écoute, peut-être tu es en train de remettre ça en question. Tu regardes à tes difficultés. Tu regardes aux problèmes. Tu regardes aux situations autour de toi. Et tu dis, est-ce que je pourrais dépasser cette situation? Est-ce que j'arriverai? Est-ce que j'accomplirai ce que Dieu m'a dit? Parce que les difficultés que j'ai en ce moment sont tellement objectives, réelles. Et quand je les regarde, je suis barricadé. Les problèmes à gauche, les problèmes à droite, devant il y en a, derrière il y en a, et c'est comme si les difficultés ne connaissent que mon adresse. Quand ça descend, ça vient chez moi. Et maintenant, Seigneur, au moment où tu parles de vision, au moment où tu parles de but, il y a quelque chose de grand. Tu m'as parlé, mais est-ce que dans ces situations, je pourrais percer ces situations et aller là où tu m'as dit? C'est toute la question. Et au moment où on s'auto-évalue, mais je vais me mettre avec un groupe. Et ils sont nombreux. Elles sont nombreuses. Ils vont se dire, je regarde à mon passé. Je regarde à ce que j'ai vécu. Je regarde aux problèmes dans lesquels je suis. Je regarde, ma famille a été comme dans une malédiction. Et quand je regarde, je ne vois pas de porte de sortie. Et comment je vais m'en sortir? Voici la situation à laquelle ces deux cas pratiques, Rahab et Ruth, elles étaient face à une situation pareille. Oui. Quand on les prend, deux femmes sur lesquelles personne ne peut parier. Toi, tu parles de certaines des difficultés. Peut-être tu n'es même pas au dixième de ce que une de ces femmes a vécu. Mais à des moments, Dieu est venu à leur secours. Comme Dieu viendra à ton secours. Comme Dieu viendra te sauver au nom de Jésus. Et je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, les difficultés peuvent être nombreuses. Les difficultés peuvent être de façon à te déboussoler. Mais si c'est Dieu qui a parlé sur ta vie, il faut juste être sûr. Hein. Si c'est pas ton rêve personnel, mais si c'est le rêve de Dieu, la vision de Dieu pour ta vie, ce qu'il t'a montré, ça vient de lui, il n'y a rien à faire. Il trouvera les moyens et il va créer les opportunités, il va créer les circonstances. Au moment où tu cries à lui, au moment où tu dis, Seigneur, où te trouves-tu? On me parle de vision, on me parle de but pour ma vie. Il y a une destinée et je dois défendre cette destinée. Mais Seigneur, où te trouves-tu? Et le temps passe. Je regarde mon âge, je regarde les circonstances autour de moi. Est-ce que Seigneur, ce que tu as dit, me permettra et je pourrai
avancer et rentrer. Voici toute la question. Et donc c'est là où je dirais, au moment où tu es dans une pensée, certaines pensées, je dis, tu dois conquérir tes pensées. Est-ce que je parle à quelqu'un? Conquérir tes pensées, ça veut dire que si tu es sur un chemin négatif, tu dois faire la conquête à tes pensées et les ramener sur le bon côté positif. Conquérir tes pensées pour accomplir ta destinée. Parce que ça dépend de l'état de tes pensées. Tes pensées sont négatives. Tes pensées sont des pensées de plainte, de murmure. Et Dieu n'est pas dans les murmures. Tes pensées sont des pensées de culpabilité. Dieu n'est pas dans la culpabilité. Tes pensées sont des pensées de où tu pleures. Tu poses des questions à Dieu. Dieu n'est pas dans tout cela. Dieu veut que même face à toutes ces montagnes de problèmes, que tu puisses dire, celui qui est assis sur son trône, celui qui est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, qui dit et la chose arrive, qui déclare et ça s'exécute, ce Dieu-là, je ne le connais pas dans la défaite, je ne le connais pas dans l'échec. Et s'il a parlé, il va s'arranger pour que je puisse sortir de cette situation. Et je crois que tu sortiras au nom de Jésus. Et je vois quelqu'un sortir de cette situation. Et comme écoute la parole de Dieu dit dans 1 Corinthiens 2, 9 à 10, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, mais des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Est-ce que tu aimes ton Dieu ce matin? Si tu aimes ton Dieu, il dit des choses que l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu, des choses qui ne sont même pas monté au cœur de l'homme. Dieu a préparé ça pour toi. Je veux un bon amen ce matin. Dieu a préparé ça pour toi, mon frère. Un jour, tu vas t'asseoir, relax. Tu dis, hey, Seigneur, je ne savais pas que j'étais sur ce chemin. Je vois ça sur quelqu'un ce matin. Je vois quelqu'un dire ça un jour. Au moment où tu t'assois, tu mets les deux, une jambe sur l'autre. Et tu souris. Et tu dis, ma soeur, mon frère, vraiment je souffrais. Mais mon Dieu est venu à mon secours. Et c'est ce Dieu qui est ton Dieu. Il est ton Dieu. Et il ne va pas faiblir. Et ce n'est pas à cause de tes pensées que lui va changer. Il ne change pas. Et on a intérêt à conquérir nos pensées pour les mettre sur le bon chemin et puis provoquer l'intervention de Dieu pour qu'il puisse nous propulser dans notre destinée future. Je vois des gens qui vont rentrer dans leur destinée future. Tu vas rentrer dans ta destinée future parce que les pensées de Dieu pour toi sont positives. Ces pensées ne sont pas des pensées de l'homme. Ces pensées ne sont pas des pensées de ceux qui te jugent. Ces pensées ne sont pas même les pensées de tes parents. Tu peux avoir des parents qui ne croient même pas en toi et qui peuvent même aller jusqu'à dire, mais comment cet enfant même est venu à travers moi? Tu peux avoir des parents ici, et ils vont dire des choses négatives. Mais écoute-moi, les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Et il l'a dit par le prophète Esaïe. Ces pensées ne sont pas nos pensées. Ces voix ne sont pas nos voix. Et comme nous l'avons vu et dans la version Martin de Jérémie 29:11. Dans cette version, il est dit, car je sais que les pensées que j'ai pour vous, c'est Dieu qui te parle. Les pensées que j'ai pour vous, dit l'Éternel, sont des pensées de paix et non pas d'adversité, pour vous donner une fin tel que vous attendez. Est-ce que tu as compris? Une destinée telle que tu l'attends.
Si tu attends ce qu'il t'a dit, tu vas y rentrer. J'ai dit tu vas y rentrer. Donc regardons la vie de ces deux femmes. Quand on parle de Rahab, on parle de Jéricho. Quand on parle de Ruth, on parle de Moab. Deux symboles forts. Jéricho et Moab. Voici des forteresses qui ont piégé la destinée de ces deux femmes. Voici Rahab. Imaginons-la. Elle est à Jéricho. Qu'est-ce qu'on dit de Jéricho? Jéricho. Dans Josué 6:1, il a dit Jéricho était fermé et barricadé. Jéricho la parame, la parba pour la karam. Devant les enfants d'Israël. Israël kamatauri. Personne ne rentrait, ne sortait, tiendé. Et personne n'entrait. Jéricho. Si Jéricho, Jéricho était fermé et barricadé. La parala karé. Devant les enfants d'Israël. Israël kamatauri. La destinée de Rahab à Jéricho était aussi barricadée et fermée. Peut-être comme la destinée de plusieurs ce matin qui écoutent, leur destinée semble être prise en otage par des problèmes de toutes sortes. Et donc si nous regardons Rahab, c'était un départ totalement raté. Raté. Personne ne pouvait parier sur elle. Si aux autres Dieu avait parlé, Abraham Dieu a parlé, Joseph Dieu a parlé, mais voici une qui est même très loin du chemin de ce Dieu-là. Et donc, elle était une Cananéenne. Donc, elle faisait partie des peuples que Dieu a chassés et dépossédés en faveur d'Israël. Regardez ce que la parole de Dieu dit dans Exode 23:23. Dieu parlait à Israël. Et Dieu dit, mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens. Dieu parlait à Israël, les Essiens, les Phéréziens, les Cananéens, les Éviens, et les Jébusiens. Et qu'est-ce que Dieu dit? Et je les exterminerai. Donc, ici, sachons une chose. Il était formellement interdit à Israël de traiter alliance avec ses peuples. Ça, c'est venu de la bouche de Dieu. Et dans Exode 34:11, Dieu parle encore à Israël. Il dit, prends garde à ce que je t'ordonne aujourd'hui. Voici, je chasserai devant toi les Amoréens, les Cananéens, les Essiens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Donc quand nous regardons, voici une femme qui est de la, d'une des catégories citées ici. Donc il y a une séparation objective et réelle établie par Dieu lui-même. Mais maintenant, deuxièmement, nous voyons que elle était une prostituée. Prostituée de première classe. Donc, dans la ville de Jéricho, partout on l'appelait Rahab la prostituée. Elle n'avait pas d'autre nom, d'autre identité que Rahab la prostituée. Tout le monde l'appelait Rahab la prostituée. Même les enfants dans la rue, on peut imaginer qu'on dit quand on la voit passer, c'est Rahab la prostituée. Oui, et maintenant, son nom veut dire quoi? Spacieuse. Libre. Donc sa vie était spacieuse pour les hommes. Une femme dévergondée. Une femme de mauvaise vie. Parce qu'à l'époque, la prostitution et le proxénétisme là étaient des crimes devant Dieu. Et Dieu a proscrit cela selon la loi de Moïse. Donc si Rahab était une prostituée, donc c'était aussi une personne vulnérable. Émotionnellement vulnérable, spirituellement vulnérable. Son corps n'avait plus de secret pour les hommes. Peut-être
Peut-être que certains hommes même la brutalisaient. Donc, un désordre spirituel dans sa vie. Rejeté par sa famille. À cause de l'opprobre qu'elle constituait pour cette famille. Et dans Josué 2:15, il est dit que sa maison était dans les murailles. Rejeté. Parce qu'elle était dans l'opprobre. Sa famille n'en voulait pas. Et elle était, sa maison qu'elle habitait, était sur la muraille de la ville. Donc, voici, au moment où certains disent, oh, je connais le rejet. Et peut-être on ne fait pas cas de moi. Voici cette femme-là, elle était rejetée. Et donc sa famille ne faisait pas cas d'elle. Donc si elle est dans cette situation, dans cette vulnérabilité, spirituellement et tout, et elle était cananéenne et elle était dans les idoles idolâtres, loin de tout contact avec ce Dieu qui est notre bénédiction. Mais donc voici cette femme là qui, devant toutes ces situations, va se retrouver face à sa destinée. Et nous pouvons comprendre qu'en plus de tout cela, elle vivait à Jéricho. Il est dit que Jéricho était une ville fortifiée. Les murailles étaient fortifiées. Les murailles de la largeur. Certains disent que c'était 4,50 m, d'autres disent même 9 m. Donc, ce n'était pas une ville pour laisser à elle. Si cette ville était fortifiée, et je crois que la régie aurait dû nous donner le dessin, fortifiée, barricadée, les portes fermées, alors que cette femme, peut-être au fond d'elle, elle était en train de se poser des questions sur le Dieu d'Israël. Peut-être que les hommes qui venaient vers elle lui donnaient des témoignages sur ce que Israël a fait et sur ce qui s'est passé par rapport aux enfants d'Israël. Et donc, au moment où elle entend tout ça, secrètement, elle va développer une foi. Et elle nourrit au fond d'elle le désir d'appartenir à ce peuple. Mais comment faire? Et donc, voici, et donc, la parole de Dieu nous dit que dans Josué 2:1, Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim deux espions en leur disant, allez examiner le pays et en particulier Jéricho. Ils partirent et ils arrivaient dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab. Et ils y couchaient. Voici une situation qui doit nous amener à réfléchir. Comment ça se passe? Au moment où on dit que la ville est barricadée et fermée, au moment où on dit que personne ne rentre, personne ne sort, il y a une question qu'on doit se poser. Comment ces deux espions ont fait pour rentrer alors que c'est barricadé? Voici quelque chose. Et quand ils rentrent, ils ne prennent pas une autre direction. Ils partent directement chez Rahab la prostituée. Est-ce qu'il n'y a pas une direction divine ici? Une véritable direction divine. Et dans le secret de son cœur, cette femme se dit, ces deux-là ne sont pas venus me voir comme les autres hommes. Ils ne sont pas venus avec un désir impur. Ils sont venus et il y a quelque chose, il y a une atmosphère qui est créée. Pourquoi? Parce que peut-être cette femme aussi a pensé à ce qui peut être de sa vie. Elle crie à Dieu. Elle dit, je ne connais pas ce Dieu-là, mais je connais par les témoignages que j'entends les exploits qu'on me dit de ce Dieu. Et tout d'un coup, elle sait qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer pour sa vie. Parce que tout d'un coup, la foi commence en elle. Ah, ces deux hommes-là, ils ne sont pas des hommes comme les autres. Et en ce moment, elle va commencer à comprendre qu'il y a un enjeu par rapport à sa vie et à sa destinée. Donc, il est dit au verset 2, le roi de Jéricho sait tout
tout de suite que des hommes sont entrés dans la ville. Et tout de suite, il l'envoie vers Rahab. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il l'envoie vers Rahab avec un mandat de perquisition. Deux hommes sont rentrés chez toi. Tu dois nous les livrer. Ah, c'est pour explorer le pays. Mais il s'est trouvé qu'elle était déjà en avance. Et Dieu lui a déjà parlé d'une certaine façon. Elle a compris que quelque chose doit se passer. Mais elle sait aussi qu'elle allait se rendre traîtresse devant son peuple et devant le roi. Parce que si on sait qu'elle a caché les espions, elle peut être, c'est une combine passible de peine de mort. Mais quelque chose se passe en elle. C'est comme pour te dire, au moment où tu as crié à Dieu, au moment où tu as reconnu certaines choses, Rahab a reconnu que sa vie n'était pas une vie qui soit vraiment en son honneur. Mais en écoutant tous ces témoignages sur Israël, elle savait que si elle se liait à ce peuple-là, quelque chose va tourner dans le bon sens. Elle avait des pensées, des pensées humaines par rapport à Israël au début. Ah, c'est un peuple qui tout a fait ceci et a fait cela. Donc tout de suite, elle était en train de voir tout ce qui était fait par Israël. Et donc tout d'un coup, il y a le déclic et elle commence à être en relation avec ces deux. Et voilà ce qu'elle va dire. Dans Josué 2, 10 à 11, il dit, car nous avons appris, il parle à ces deux, et à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge. Et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Og, et que vous avez dévoué par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Ça, c'était les pensées humaines. On a perdu courage et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Ça, ce sont les pensées objectives qu'elle a eues. Et au même moment, elle dit, maintenant, c'est l'Éternel, votre Dieu. L'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut, dans les cieux et en bas, sur la terre. Tout de suite, elle rentre dans la pensée divine. Tout de suite. Et puis, on est en mesure de demander, mais Rahab, qui t'a appris ce langage spirituel? L'Éternel, votre Dieu. C'est fort quand même. Et donc, elle parle comme si elle faisait partie des gens du peuple. Votre Dieu qui est en haut, dans les cieux et en bas sur la terre. Et donc, tout d'un coup, elle va pactiser avec les espions. Pour aller vite, rapidement, elle fait un pacte avec eux. Et elle dit, quand vous allez et rentrer. C'est-à-dire, elle s'en intéressait plus de savoir comment les enfants d'Israël vont s'y prendre. Comment ils vont procéder. Ça, ce n'était plus son problème. Mais sa foi, autant T, était là pour lui dire, vous allez avoir la victoire. Et quand vous allez avoir la victoire, quand les murailles vont s'écrouler, attention, ne m'oubliez pas. Elle fait le pacte avec ses deux espions. Mais au moment où elle fait ce pacte, c'était avec le Dieu d'Israël qu'elle faisait le pacte. Et si elle fait le pacte avec le Dieu d'Israël, sa situation doit changer. Parce qu'elle sait qui est ce Dieu. C'est nous les enfants de Dieu. Souvent nous ne savons pas jusqu'où notre Dieu peut aller. Souvent c'est le monde qui regarde, qui comprend et qui nous avertit, attention, vous avez le vrai Dieu. Et c'est ce Dieu qui est ton Dieu ce matin. Devant tes situations, c'est ce Dieu-là qui est ton Dieu. Et autant, il a changé tout de suite les perspectives de cette femme. Parce que ses pensées ont été reformatées rapidement. C'est un phénomène spirituel qui se passe. Parce que si dans ton cœur,
cœur. Tu cherches à avancer et tu sais ce qu'on t'a dit. Les pensées à un moment doivent tourner dans le bon sens. Et c'est là où toi, tu dois conquérir ces pensées-là. Conquérir tes pensées pour laisser ta destinée s'accomplir. Et je crois qu'à partir de ce matin, si pour cette femme, les pensées de Rahab ont été reformatées dans un déclic rapide, Dieu nous invite devant les situations que nous allons rencontrer. Et je dirais bientôt, très bientôt, peut-être tu vas rencontrer une situation et il faut avoir le discernement de comprendre que quelque chose est en train de se passer pour ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut avoir le discernement. Et il faut avoir dans ton cœur cette voix intérieure qui te dit qu'attention, ce n'est pas un phénomène naturel qui est en train de se passer. C'est un phénomène spirituel qui peut changer tes perspectives, qui peut changer les données dans ta vie. Parce que tu étais à un niveau où tu ne croyais même plus à l'intervention de Dieu, mais le Saint-Esprit va venir maintenant avec une circonstance devant toi. Le Saint-Esprit va être là. L'atmosphère peut changer. Et tu peux être en train de comprendre que, il y a quelque chose que ton Dieu est en train de faire. Et c'est pourquoi je déclare ce matin qu'au moment où cela va se passer, que cela ne passe pas à côté de toi. Oh, regarde, le Saint-Esprit va te parler. Le Saint-Esprit va te dire quelque chose est en train de se passer pour toi en ce moment. Quelque chose doit être en train de se passer. Et c'est pourquoi mon frère, ma soeur, quand cela va se passer, il ne faut pas que tu restes comme si rien ne se passait. Parce que si tu as compris, c'est quand tu as compris, c'est parce que Rahab a compris que quelque chose se passait dans sa vie, que la situation a été changée rapidement pour elle. Toi aussi, si tu comprends et tu sais qu'à des moments précis, Dieu est en train de te parler, Dieu est en train de changer ta destinée. Peut-être tu passeras d'un niveau A à un niveau B, mais ce déclic-là, c'est dans une boucle. Et si tu ne fais pas attention, ça peut passer à côté. Parce que Rahab aurait pu livrer ses deux espions. Elle aurait pu livrer, mais elle a eu le courage et je dirais la sagesse. Ah oui, un mandat de perquisition, elle peut dire ben, on peut me tuer si je ne les livre pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé au fond d'elle? Elle a eu un discernement. Elle a compris, mais je ne dois pas laisser passer cette situation. Et au moment où elle a compris cela, les choses ont changé pour elle. Si tu acceptes ça, tu verras cela dans les jours à venir. J'ai dit tu verras cela dans les jours à venir. Tu vas vivre cela dans les jours à venir. Et quand tu vas vivre cela, fais attention. Parce que tu peux manquer un tournant. Je vois des gens qui auront peut-être des marchés qui vont les dépasser. Hey, un marché où tu vas dire, mais j'ai cherché ça depuis longtemps. À telle enseigne où tu vas dire, mais est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que c'est possible? Mais ça sera possible. Parce que tu as reçu la parole. J'ai dit, tu as reçu la parole. Et ta famille va aller d'un point A à un point B. Parce que tu aurais compris que Dieu est en train de faire quelque chose dans ta vie. Je vois des portes s'ouvrir, des portes surnaturellement. Parce que nous sommes en train de parler du surnaturel divin. Et tu seras étonné de voir des choses extraordinaires. Est-ce que Rahab a vu de ses yeux? Est-ce qu'elle a vu le peuple d'Israël traverser le fleuve et la mer? Est-ce qu'elle a vu? Est-ce qu'elle a vu les deux rois là tomber? Est-ce qu'elle les a vus? Mais la foi vient de ce qu'on entend. Elle a cru et cela a changé ses perspectives. Toi aussi, je te demande ce matin, c'est vraiment de croire. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, la fortification de la ville, le retranchement, les barricades n'étaient plus un problème pour Rahab parce qu'elle savait qu'elle allait être sauvée. Elle savait que les enfants d'Israël allaient rentrer et ils allaient avoir leur victoire. Mais maintenant, elle a fait le pacte qui a bien fonctionné.
Elle a fait la parole. Et tout s'est bien passé pour elle. C'est pourquoi Jacques 2, 25 nous dit ceci. Rahab, la prostituée. Vous voyez, ce nom l'a suivi jusque même dans le Nouveau Testament, dans les Épîtres. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Elle a été justifiée. Et je crois que ta vie aussi est justifiée ce matin. Je veux un bon amen. 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 Et puis tout d'un coup, quand ça se passe ainsi, n'oublie pas les autres. Parce que tu vois, cette même famille qui l'avait rejeté. Et on te dit dans Josué 2:15 que sa maison était dans les murailles. Vraiment rejeté. Et il n'avait pas changé d'avis vis-à-vis d'elle. Mais quand elle s'est trouvée devant une faveur, devant un changement de situation, elle a dit, ne m'oubliez pas. Mais j'ai ma famille aussi. Elle n'a pas regardé à leur attitude. Elle n'a pas regardé à leur méchanceté. Quand tu es dans une faveur, n'oublie pas ta famille. N'oublie pas tes amis. Et Rahab a eu un cœur de compassion. Au moment où on l'a meurtri, on l'a fatigué. Mais devant le salut, elle a dit, ça sera moi, mais aussi ma famille. Est-ce que tu es capable de faire ça? De ne pas être dans l'amertume. De ne pas être dans le ressentiment. Mais de comprendre que durant les situations, tu dois faire en sorte que tu ne sois pas seul à vivre ces avantages. Et que le Seigneur nous donne à chacun ce matin un cœur de compassion, un cœur d'amour au nom de Jésus. Et dis-moi un bon amen parce que... Écoute, c'est à partir de là, quand maintenant la ville qui était fortifiée, et regardez, le combat spirituel ici, c'est quoi? On va aller vite. Le combat spirituel ici, c'est que Josué a compris que ce n'est pas des murailles qui peuvent s'écrouler n'importe comment. C'était des actes prophétiques. Il fallait faire le tour. Parce qu'il était à l'écoute de son Dieu. Donc, ici, si Rahab était dans un combat spirituel, parce qu'elle était cananéenne, et elle était dans les idoles, et les hommes avec lesquels elle partait, et les hommes lui filaient des démons, elle était certainement dans un combat spirituel. Mais, quand Josué devait prendre la ville, quand il devait prendre Jéricho, il a fallu faire le tour sur les consignes de Dieu. Donc c'était un combat spirituel. Il fallait être à l'écoute de Dieu. Il fallait recevoir les consignes de Dieu parce que ce n'était pas des murailles qui pouvaient s'écrouler n'importe où. Et il a suivi strictement tout ce que Dieu a dit. Et nous voyons cela dans Josué 6. Il a suivi tout ce qu'il fallait faire. Et là où les murailles vont s'écrouler. Donc là, il était dans le combat spirituel victorieux. Combat spirituel victorieux. Et on voit dans Josué 6, 20, juste cette partie, que le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, ils s'emparèrent de la ville. C'était le combat spirituel victorieux. Parce qu'il a suivi les consignes. Et dans le combat spirituel victorieux, nous devons suivre ce que l'Esprit de Dieu nous dit. Nous devons compter avec les directives de l'Esprit. Et nous voyons dans Josué 6, 22, Josué va dire aux deux hommes qui avaient exploré le pays, écoutez bien, entrez dans la maison de la femme prostituée et faites en sortir cette femme et tous ceux qui lui appartiennent
comme vous le lui avez juré. Parce que Rahab a pu faire en sorte que ses parents viennent dans cette maison. Cette maison de honte. Cette maison de preuve. Qui est fou? Ils savent qu'il faut être là-bas. Leur salut se trouve dans cette maison. Cette maison de prostituée. Mais il fallait être là-bas. S'il n'était pas là-bas, et avec le fil rouge qui représente le sang de Jésus, s'il n'était pas là-bas, il n'allait pas être sauvé. Et les jeunes gens, les espions, entrèrent et firent sortir Rahab. Son père, sa mère, ses frères et tous ceux qui lui appartiennent, ils firent sortir tous les gens de sa famille et ils les déposèrent hors du camp. Voici Rahab et toute sa famille. Et ils sont sauvés. Et c'était la seule maison qui a tenu ferme. La ville s'est écroulée. Et on pouvait voir uniquement la maison de Rahab dans le salut avec le fil de cramoisi qui est le sang de Jésus. Que le sang de Jésus soit notre protection. Soit la protection de ta maison. Soit la protection de tes affaires. Au nom de Jésus. Mais ce que je vais dire pour aller vers la fin de ce cas. Regardez dans Josué 6, verset 17. La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit. Elle et tout ce qui s'y trouve. Mais on laissera la vie à Rahab, la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle. Regardez au verset 18. Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit, car si vous prenez de ce que vous aurez dévoué par interdit, vous mettrez le camp d'Israël en interdit et vous y jetterez le trouble. Tout l'argent et tout l'or, tous les objets, des reins de fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans le trésor de l'Éternel. Donc nous sommes en mesure de nous poser la question, pourquoi alors Josué s'est focalisé sur cette ville de Jéricho? On doit se poser cette question. Est-ce qu'on peut se poser cette question? Puisque tout doit être dévoué par interdit. Quelle raison faire tous ces tours avec tes hommes d'armes, avec toutes ces grandes équipes? Et nous pouvons répondre, la raison de cette attention et de cette grande mobilisation d'effort n'était autre que pour sauver la vie de Rahab et de Rahab seul. Je voudrais que tu allais dire amen. C'était Rahab la cible. Pourquoi c'était Rahab? Parce que Rahab était comme le diamant dans de la boue. C'était un instrument que Dieu connaissait avant qu'elle soit dans cette prostitution, avant qu'elle soit dans toute cette merde. Dieu la connaissait et Dieu savait que par elle, le sauveur du monde doit venir plus tard. Et écoutez, dans Jean 7:42, il est dit, l'Écriture ne dit-elle pas que c'est dans la postérité de David et du village de Bethléem où était David que le Christ doit venir? Donc Rahab était appelée à mettre au monde un Israélite, mais il fallait qu'elle soit libérée de Jéricho. Donc imaginez si on disait à Josué et à toutes ses équipes que c'est pour cette femme-là que vous êtes en train de faire tout ce que vous êtes en train de faire. Qu'est-ce qu'ils allaient répondre? Ça n'en vaut pas la peine. C'est une prostituée. Mais Dieu les a amenés tout le combat, tous ces hommes d'armes, je dirais tous ces officiers d'armes. Ils étaient en train de travailler, faire le tour des consignes de Dieu. Mais
pour libérer quelqu'un qui était sous l'emprise de Satan. Et donc, à partir de cette Rahab, Jésus-Christ plus tard doit venir pour que toi tu sois sauvé, pour que moi je sois sauvé. Est-ce que ce n'est pas quelque chose? Les murailles de Jéricho devait être renversé pour que Rahab soit libéré et que s'accomplisse sa destinée. Tant qu'elle n'était pas libérée, sa destinée ne pouvait pas s'accomplir. Et Dieu n'a pas hésité à mettre Jéricho en branle pour la retrouver et pour la libérer. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, Dieu t'a localisé. Il y a un but pour ta vie. Il y a une destinée qui va servir à Dieu. Et comme Dieu t'a localisé, il va mettre tout en branle pour te libérer et pour te sortir de ces problèmes. Il va secouer. Il a secoué tout Jéricho. Il a mobilisé Josué, toutes ses équipes. Il les a tous mobilisés. Il les a mis au travail. Et ils ont dû faire tout ça. Mais Dieu dit, tout doit être dévoué par interdit. Mais donc, on est en mesure de dire, mais si tout doit être dévoué par interdit, pourquoi donc on a fait tout ça? Mais c'était à cause de cette perle, de cet instrument que Dieu connaissait depuis le ciel. Ah, Dieu connaissait depuis le ciel. Et je dis, quelqu'un est là ce matin. Dieu te connaît depuis le ciel. Avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, Dieu t'avait prédestiné. Dieu t'a établi. Dieu t'a positionné. Et il y a des choses que tu dois faire. Et parce que tu dois faire cela, tes problèmes là ne sont pas un problème pour Dieu. Hey, si tu acceptes cette parole ce matin, tu verras comment Dieu va mettre tout en branle pour te sortir. Oui, te faire asseoir avec les grands, avec les grands de ce monde. Dis-moi un amen ce matin. Il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie bientôt. Quelque chose va se dérouler dans ta vie. Parce que Dieu est sur le point de te libérer. Dieu est sur le point de t'affranchir de tes situations. Parce que tu ne peux pas être sous le joug et porter lui ses jougs. Est-ce que tu comprends quelque chose? Si toi tu as des jougs, tu ne peux pas porter son joug. Tu ne peux pas porter sa vision. Pour que tu portes sa vision, pour que tu portes son fardeau, Dieu veut que tu sois libéré. Et ce matin, il est sur le point de t'étonner. Il va t'étonner. Il va t'étonner, il va te libérer. Les murailles autour de toi vont être renversées. Et tout va être en branle-bas pour que toi tu sois trouvé. Et regarde tout ce qui s'est passé. Rahab a été libérée. Et elle a été intégrée au peuple de Dieu. Elle est devenue la femme de Salmon. Un homme de la tribu de Juda. Parce que sa famille est partie avec les Israélites. Et Salmon veut dire couverture, veut dire vêtement ou encore manteau. Donc à partir de ce manteau là, ce manteau devait enlever toute son opprobre. Wow. Ce manteau était fait pour que tout soit son opprobre, ses humiliations, tout soit enlevé et qu'elle soit purifiée pour accomplir le plan qu'elle doit accomplir. Est-ce que tu crois en ça ce matin? Autant elle a été intégrée, elle ne pouvait pas y penser, elle ne pouvait pas songer à ça. Toi aussi, au moment où tu crois que tu ne vaux rien, au moment où tu crois que Dieu t'a oublié, le Seigneur te dit ce matin, il fera des choses qui vont te dépasser. Il fera des choses qui vont te dépasser. Et il va te faire asseoir, il va te sortir de ton fumier, il va te sortir de tes ordures, il va te sortir de tes problèmes, il va te sortir de tes défis, il va te sortir de toutes ces épreuves. Je vois des gens qui vont sortir de leur situation maintenant. Je vois des gens qui sont libérés. Libérés de la maladie. Libérés des dettes. Libérés de la pauvreté. Le Seigneur va te sortir et le Seigneur va te donner la dimension qu'il avait fixée pour toi. Et parce que cette dimension va agir sur le royaume des cieux. Cette dimension va te permettre d'être utile au royaume des cieux.
Rahab a été utile au roi. Elle s'est mariée à Salomon. Qui aurait pu croire? De Jéricho. Au moment où elle est dans les murailles. Cananéenne, prostituée, sous sentence de mort. Sous quelle sentence tu te trouves? Quelle sentence de mort? Quelle sentence? Les dettes? Quelle sentence? Des cas de maladie? Quelle sentence? La famille troublée? Quelle sentence? Dieu, il regarde tout cela comme de la bouffe. Parce que lui, il a décidé, et à partir de maintenant, quelque chose commence à se passer dans sa vie. Oh! Quelque chose commence à se passer. Quelque chose va se passer. Ces pensées ne sont pas nos pensées. Ésaïe 55:8. Ces voix ne sont pas nos voix. Pourtant tu as pleuré. Maintenant tu rentres dans le rire. Ton désert va refleurir encore. Tu étais désespéré. Mais à partir de maintenant, le Seigneur relâche une onction de grâce. Il y a une grâce qui est contenue dans ce message. Si tu sais capturer cela, tu vas rentrer dans une grâce. Et les choses vont être faciles pour toi. Tu rentres quelque part, on va te dire, mais on t'attendait depuis longtemps. Et tu rentres quelque part, on dit, mais où tu te trouvais? Où était ton dossier? Mais quelque part, tu dis, mais moi je cherchais du boulot. On dit, mais il y a trois postes, il faut choisir. Et ça se passera pour certains. On n'a pas prié ici en vain. La porte s'ouvre pour le boulot. La porte s'ouvre pour le boulot. Et tu vois, quelque chose de bon. La promotion est au rendez-vous pour beaucoup. La promotion dans le ministère est pour beaucoup. La direction divine a été là pour elle. Et elle était devenue une bonne femme pour Salomon. Et je vois des jeunes femmes. Écoutez, votre Salomon arrive. Votre Salomon arrive. Il arrive bientôt. Amen, amen. Amen. Passons au cas de Ruth. Écoute, dans l'histoire de Ruth, en amont de cette histoire, il y a une famille. Et je crois que souvent les pères de famille doivent réfléchir et ne pas laisser leurs pensées sous pression. Écoute, quand on te dit père de famille, responsable, c'est un honneur, c'est une responsabilité. Quelqu'un me dit oui. C'est un honneur. C'est une responsabilité. Il est dit dans Ruth 1, du temps des juges, il y a eu une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Et nous continuons verset 2. Le nom de cet homme était Elimelech. Celui de sa femme Naomi. Naomi. Et ses deux fils s'appelaient Maclon et Kiljon. Ils étaient tous Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Arrêtons-nous ici et examinons ce qui s'est passé. Parce que, en amont de tout ce qui a concerné Ruth, il y a cette famille-là, la famille de Elimelech. Elimelech veut dire Elimelech, l'Éternel est mon roi. Et Naomi veut dire grâce. Le horom. Bethléem, c'est la maison du pain. Et Juda fait référence à la louange. Il y a voici autant de noms expressifs qui, dans le contexte de cette famine là, parce qu'ils étaient à Bethléem, il y a eu la famine. Autant de cette famine là,
Voici tous ces noms-là qui devaient inspirer ce couple. Et je parle au chef de famille, je parle aussi au couple. Ça devait inspirer ce couple. Parce que la fidélité est la force du roi. C'est le livre de Proverbes qui dit ceci. Proverbes 20 au verset 28. La bonté et la fidélité gardent le roi. Et il soutient son trône par la bonté. Elimelech veut dire l'Éternel est mon roi. Donc il est sujet de ce roi là qui est l'Éternel. Voici, si l'Éternel est ton roi, ta femme s'appelle Grâce. Déjà c'est des noms très expressifs. Et vous êtes à Bethléem, la maison du pain. Même si le pain a manqué, est-ce que le pain ne va-t-il pas revenir? Dites-moi oui. Pourquoi je dis ça? Parce que si nous regardons dans Deutéronome 8, au verset 9, quand Dieu parlait à Israël, il dit, je t'envoie dans le pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien. Bon, donc, quand nous regardons cela au verset 10, allons-y au verset 10 aussi. Verset 10. Lorsque tu mangeras, tu rassasiras, tu béniras l'Éternel ton Dieu. Pour le bon pays qu'il t'a donné. Voici les promesses que Dieu avait données à Israël. Maintenant, si le pain vient à manquer, Elimelech, il me dit, l'Éternel est mon roi. Est-ce qu'un roi va laisser son sujet pendant tout un temps sans venir à son aide, sans venir, sans pourvoir au pain que lui il avait promis? Je crois que il va le faire. Maintenant, sa femme s'appelle Grâce. Est-ce que cette grâce-là, dans les situations difficiles, est-ce que la grâce de Dieu ne va-t-elle pas se manifester? Oui, elle va se manifester. Est-ce que la maison du pain, le pain ne peut pas finir? Le pain peut manquer un moment, mais le pain va revenir. Mais dans la pression des problèmes, les pensées de ce chef de famille vont l'amener à prendre une décision pour amener toute sa famille. Il prend quelle direction? Il prend la direction de Moab. Moab, c'est le lieu de la compromission. Et les Moabites et les Ammonites sont les descendants de Lot. Quand Lot est allé avec ses filles, donc, ils sont tous sous malédiction. Et Dieu avait dit clairement que l'Ammonite et le Moabite, il a parlé de l'Ammonite et des Moabites. Il dit qu'il y ait séparation entre eux. Donc, séparation entre les enfants d'Israël et les Moabites. Mais regardez, quand sous la pression des problèmes, vous descendez dans le monde, vous descendez en Égypte, vous descendez là où il ne faut pas, le lieu de la malédiction, le lieu de la compromission, il prend toute sa famille, il ne prend pas une autre direction. Il prend le chemin de Moab. Alors que il savait clairement que Dieu leur avait parlé. Il faut qu'il y ait une séparation entre les enfants d'Israël et les Moabites. Et lui, il prend cette direction. Il embarque toute sa famille dans une aventure à cause de l'état de ses pensées. Il ne consulte plus Dieu. Il ne met pas tous les éléments ensemble. Mon Dieu, l'Éternel est mon roi. La grâce de Dieu, la maison du pain, la tribu de la louange. Il ne met pas tous ces éléments. Parce que s'il mettait tous ces éléments ensemble et qu'il s'asseyait pour examiner, et c'est là où nos pensées doivent apprendre à changer. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? La parole de Dieu dit que ici c'est Bethléem, la maison du pain. Le pain peut manquer un moment, et le pain va revenir. Aussi, un autre point de méditation, c'est que l'Éternel est mon roi. Il ne va pas me laisser dans la détresse.
Comme il ne va pas te laisser dans la détresse. Il ne va pas te laisser dans tes problèmes. Quelle que soit la situation, il va retourner la situation pour toi au nom de Jésus. Mais tu n'as pas regardé tout ça. Et tout d'un coup, tu amènes toute cette famille. Et voilà, la suite c'est quoi? Et il est dit, Maclon et qu'il d'abord, le verset 3 et 4. Non, trois d'abord. Elimelech, mari de Naomi, Sidan, mourut et elle resta avec ses deux fils. On n'a pas besoin d'être prophète. Ils ont désobéi. Ils partent dans le lieu où il ne fallait pas. Et ils prirent. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses deux fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Orpa veut dire tourner le dos. Et Ruth veut dire amitié. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Mais il est dit au verset 5, Maclon et Kiljon moururent aussi tous les deux. Et Naomi resta privée de ses deux fils. Naomi resta privée de ses deux fils. Elimelech a manqué la direction de Dieu. Il n'a pas cherché la direction auprès de Dieu.